Olivier Maton, je travaille au Parc national de Miguacha. Je suis responsable de la conservation et de l'éducation. Olivier, on est où ici exactement? Alors là, on a les pieds sur la grève du Parc national de Miguacha, juste au pied de la falaise. Et je qualifie toujours cette falaise-là de cœur de Miguacha, du parc, parce que il n'y aurait pas d'air protégé ici même s'il n'y avait pas cette falaise-là avec tous les secrets, les richesses qui se cachent à l'intérieur. Puis à ce temps-ci de l'année, on est en préparation de la saison. Bien, c'est la période où il commence déjà à avoir la présence de personnel sur le territoire pour faire de la collecte de fossiles. Les falaises qui sont protégées, qui appartiennent au parc, quelles sont-elles? La partie falaise, là, ça se rend... Bon, si on voit que ça fait comme une belle anse ici, là. Si on suit du regard, il y a des arbres éventuellement qui se rendent jusqu'à la plage, là, à peu près en face de nous. Puis la portion falaise qui appartient au parc, on se rend juste un peu à gauche de ça. Puis ensuite, le parc garde la juridiction sur la plage jusque passé la pointe à Fleurant qu'on voit là-bas avec les petits chalets. Donc, il y a des patrouilles qui vont être faites aussi sur cette portion-là pour aller... c'est une portion qui est moins fossilifère comme telle, mais sinon, les fouilles vont toujours se dérouler dans la section où on se trouve nous présentement, là, parce qu'il va y avoir des intérêts au niveau des fossiles dans cette portion-là. C'est du matériel qui vient de l'érosion du printemps. Donc, avec les cycles de gel-dégel, il y a beaucoup, beaucoup de matériel qui s'érode au printemps. Puis ensuite, c'est promené, c'est balayé par les marées sur le territoire. Donc, c'est comme une espèce de cueillette de fossiles qui va être faite par les employés du parc pour s'assurer qu'ils soient bien retrouvés avant qu'ils soient endommagés par les marées. Puis habituellement, là, on venait de mettre les pieds sur la plage depuis quelques secondes, puis déjà... on peut trouver des petits morceaux de fossiles, là, comme le petit morceau qui est sur cette rochie. Ça se trouve à être un petit morceau de plaque osseuse d'un poisson placoderme. Donc, les placodermes, c'est un groupe de poissons qui n'existe plus du tout aujourd'hui, qui était très commun au Dévonien, la période géologique qui est à l'honneur ici à Miguacha. Des poissons vraiment étranges, avec une cuirasse osseuse qui couvrait tout le devant du corps. Puis, c'était probablement des poissons assez communs dans l'écosystème qu'il y avait ici à l'époque. Et surtout, il y avait un bon potentiel de fossilisation à cause de cette cuirasse osseuse. Tout ce qui est dur a plus de potentiel de se faire préserver sous forme de fossile que des parties molles. Et donc ça, c'est un petit morceau. On ne peut pas reconnaître l'animal quand on le regarde comme ça, là, mais un petit morceau d'une plaque qui couvrait une partie du thorax de cet animal-là. Et donc, tout ce matériel-là est toujours récolté pour être amené au centre de recherche, pour être ensuite examiné plus en détail avec le binoculaire pour vraiment s'assurer de quelle espèce il s'agit. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur une section d'un plus grand poisson, Usthénoptéron, un poisson quand même assez commun, mais dans ce cas ici, un poisson complet, multiples portions, multiples morceaux, quand même tout articulé. Moi, je suis en train de travailler sur la partie caudale, donc sur la queue postérieure, la partie postérieure. C'est ça qu'on va voir ici sur le binoculaire. Et qu'on s'installe. On met la section du fossile sur un petit sac de sable pour prévenir les vibrations.
faut tout tenir tout ça en place. On va bien s'orienter. On va mettre ça. Il faut que ça soit plus clair. On va grossir parce qu'on veut quand même bien voir les petits détails. Moi, je suis préparateur fossile. Donc, la grande majorité du temps la grande majorité des choses que je fais, c'est ici, au binoculaire. Je fais de la préparation. Donc, moi, je vais soit trouver des fossiles sur le terrain ou des fossiles qui ont déjà été trouvés. Je vais les apporter ici. Avec l'équipe de recherche, on va décider quels fossiles qu'on prépare. On ne les prépare pas tous. On va préparer les fossiles qui sont les plus rares, les fossiles qui sont en trois dimensions, les fossiles qui sont en cours d'étude. Une fois qu'on a décidé quel fossile qu'on va préparer, on va regarder le sédiment pour voir si c'est nécessaire de solidifier, d'ajouter des colles. Une fois que le tout est bien solide, et c'est sécuritaire de commencer à travailler sur le fossile, parce qu'en le préparant, il y a toujours danger de l'endommager. Évidemment, chose qu'on ne veut pas faire. Donc, une fois que tout est bien solide et on a un bon plan de match, là, on va commencer la préparation mécanique, ce qui consiste d'enlever la matrice. La matrice, tout simplement, le sédiment qui entoure et qui cache le fossile. On veut enlever cette matrice-là pour, justement, voir les détails fossiles. Pour enlever le sédiment, la matrice, on va utiliser des burins à air comprimé, donc de l'air qui fait vibrer des petites pointes. C'est cette vibration qui va faire des petits impacts. On va enlever de façon mécanique le sédiment qui entoure le fossile. Dans ce cas ici, vraiment un fossile exceptionnel. De trouver une fronde quasi complète de cette taille-là, c'est quand même d'une grande rareté. Donc vraiment un beau fossile ici qui est récemment recollé parce qu'en le découvrant, je l'ai abîmé, je l'ai brisé. Fait qu'on a recollé, solidifié ces morceaux-là, tout nettoyé, le joint de colle. Ensuite, on a été capable de fixer un numéro MHNM, le Musée d'histoire naturelle de Miguasha. Donc, chaque spécimen est identifié avec son code pour qu'on puisse continuer le processus de mise en collection. Les paléontologues veulent connaître le plus possible, se rapprocher le plus possible de la machine à voyager dans le temps, là. Essayer d'ouvrir une porte sur le passé. Et l'environnement fait partie de ce qu'on veut connaître. Donc, sur tous les sites paléontologiques, c'est important, mais c'est encore plus important à Miguasha parce que on veut comprendre comment ça s'est fait, cette étape-là. Il faut comprendre qu'à l'époque du Dévonien, sur les continents, il y avait déjà de la végétation, il y avait déjà des arbres qui commençaient à pousser. Ce n'étaient pas les mêmes arbres qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de feuillus, pas de conifères. Ça avait l'allure un peu de fougères arborescentes. Il y avait des insectes aussi, des araignées, des mille-pattes qui arpentaient le sol. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y avait sur les continents. Il n'y avait pas de reptiles, pas d'amphibiens, pas d'oiseaux, pas de mammifères. Par contre, il y avait des vertébrés dans les eaux avec les poissons, qui étaient déjà là depuis très, très longtemps. Puis, il y a eu, on pourrait dire, pratiquement cet accident dans l'évolution qui a fait que les poissons, une lignée de poissons s'est adaptée à la vie vers les rivages pour éventuellement coloniser la terre ferme. Et cette étape-là aurait très bien pu ne pas survenir. Donc, c'est fascinant d'essayer de se dire comment ça a commencé, le berceau de la vie sur la terre ferme. Bien, Miguasha, c'est un des seuls endroits où on peut étudier cette question-là. Donc, comment est-ce que ça a pu commencer, cette grande aventure-là des vertébrés sur la terre ferme? Donc, c'est un des intérêts majeurs, je dirais, qu'il y a à Miguasha. La falaise et le site fossilifère, c'est le site paléontologique le plus représentatif de la période géologique du Dévonien. En ce sens que on a vraiment des cas de conservation exceptionnels, des fossiles en grande quantité et une bonne représentation de ce qu'était la vie au Dévonien. Donc, pour un chercheur qui étudie l'évolution des vertébrés inférieurs, qu'on appelle donc les poissons et la sortie des eaux vers les premiers tétrapodes, il y a vraiment toute une panoplie de sujets de recherche là, qui peuvent être couverts. Bien, le Dévonien, c'est aussi appelé l'âge des poissons. Donc, c'est une période géologique dans laquelle les poissons, c'était pratiquement les seuls vertébrés qui existaient. Donc, c'est une période qui s'échelonne de 419 à 359 millions d'années avant aujourd'hui. Donc, c'est bien avant les dinosaures. Hein. Les dinosaures sont apparus il y a à peu près 225 millions d'années avant aujourd'hui. Ils se sont éteints il y a 65 millions d'années. C'est souvent vraiment la référence, les dinosaures, au niveau des fossiles. Fait que les fossiles de Miguasha, c'était bien avant ça.
donc avant l'apparition des premiers animaux à quatre pattes même. Bien, le lien le plus évident qui est lié à l'évolution, la théorie de l'évolution, c'est que toutes les espèces qui vivent aujourd'hui, y compris l'humain, on partage des ancêtres communs, des ancêtres qui ont vécu dans le passé. Puis ça fait partie des questions fondamentales que l'humain se pose. On est tout intéressé par notre généalogie, d'où je viens, c'est qui mes arrière-grands-parents. Puis les biologistes, ils font juste remonter plus loin, les paléontologues aussi, à une échelle de temps qui est beaucoup plus ancienne. Puis quand on fouille à Miguasha, puis c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu un intérêt scientifique très marqué il y a déjà de cela plus de 100 ans, c'est que très rapidement, les premiers chercheurs qui sont venus ici, qui ont fouillé dans cette falaise-là, puis qui ont récolté des poissons, ils se sont aperçus que certains poissons de Miguasha sont des modèles vraiment exceptionnel pour comprendre de quelle façon est-ce que des poissons à nageoires ont pu commencer à coloniser la terre ferme et donc donner naissance aux premiers animaux à quatre pattes que vont devenir les amphibiens comme les grenouilles, les reptiles comme les tortues ou les lézards, puis éventuellement les oiseaux et les mammifères, le groupe auquel on appartient nous-mêmes. Bien, à l'époque de Darwin, il y a déjà des gens qui s'intéressaient à l'évolution qui suggérait que probablement les vertébrés, donc les animaux à quatre pattes, avaient émergé à partir de poissons. Mais ce n'était pas nécessairement confirmé par des preuves, ça, à l'époque. Et bien, Miguasha, notamment avec le prince de Miguasha, le Sthenopteron fordi, ses éléments, sa morphologie et des éléments squelettiques, notamment au niveau des nageoires, ça venait confirmer cette idée-là que les vertébrés à quatre pattes était apparu à partir des premiers vertébrés qui étaient seulement aquatiques. Miguasha a été découvert en 1842. La première mention écrite qu'on a de l'existence de fossiles ici, c'est 1842. Puis ça, c'est l'époque où Darwin commençait à avancer sa théorie. Elle n'était pas encore publiée. Mais dans son ouvrage de l'origine des espèces, qui va être publié en 1859, Darwin dit que toutes les espèces dérivent d'espèces anciennes. Et c'est clair qu'il aurait été émerveillé par Miguasha s'il avait pu venir ici. Et surtout connaître des espèces qu'on a connues plus tard. Il y a des espèces à Miguasha, notamment un fossile, un poisson qu'on appelle El Pistostege, qui est connu seulement depuis quelques années, je dirais. En tout cas, on commence à mieux comprendre depuis quelques années. Et ce poisson-là, c'est à l'échelle internationale le meilleur modèle dont on dispose en science pour comprendre de quoi pouvaient avoir l'air nos ancêtres poissons, les poissons qui avaient la même anatomie à l'intérieur des nageoires qu'on a aujourd'hui dans nos membres. Le spécimen d'El Pistostege, qui a été trouvé en 2010, c'est le spécimen original dans son entièreté. Donc, ce qui est spécial avec LP, pour les intimes, on l'appelle LP, bien, c'est ses nageoires, dans le fond, qui sont complètes. Elles sont sous le spécimen. On peut les voir ici sur un laminé qui nous représente la portion ventrale du spécimen. C'est un spécimen qui fait environ 1,60 m de long. C'est le plus gros spécimen fossile du parc de Miguasha. Mais il n'est pas exceptionnel nécessairement par sa taille. Il est exceptionnel par le fait qu'il est entièrement préservé. C'est le seul poisson fossile du groupe auquel il appartient, complet. Donc, du bout du museau au bout de la queue. Donc, on est très choyé d'avoir pu récupérer tous les morceaux. Scomenesia. Ah ouais, un poisson complet, en fait. Un poisson à poumons avec son crâne juste ici. Puis le corps à l'arrière. On voit une partie des rayons de la nageoire ici, là, de la caudale, donc la queue. Puis on voit une belle partie d'écailles juste ici. Il y a du minerai qui recouvre une partie du corps. Tout ça, c'est de la pyrite de fer, là, donc qui est venu se déposer par-dessus le poisson après sa mort. Qui vient cacher une partie du poisson, là. Mais, ouais, un beau spécimen. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là?
On remplit une petite fiche de terrain, donc avec les informations qu'on peut associer tout de suite au spécimen. Donc, qui a trouvé le fossile, la date du jour, dans quelle portion de falaise on est, puis la nature du fossile, du moins ce qu'on peut dire sur le terrain. Des fois, c'est pas possible de l'identifier avant de se rendre à l'intérieur, puis d'autres fois, on peut mettre de l'information. Puis ça reste, ces informations-là restent associées au fossile, parce que le moment où on trouve le fossile, c'est très, très, très important, parce que c'est là qu'on a le fossile le plus dans son contexte. Dans ce cas-ci, il y a des bonnes chances, il y a des bonnes raisons de croire que le poisson, il s'est peut-être promené, là, pas lui-même, mais je veux dire, il a été déplacé. Mais quand on trouve le fossile dans la falaise, là, on peut vraiment certifier qu'il vient de cette couche-là précisément. Et là, on va noter le numéro du lit. Tous les lits de la falaise sont numérotés. Et à la longue, en sortant les fossiles de notre collection, on peut réassocier, par exemple, tous les poissons qui auraient été retrouvés dans cette couche-là et commencer à faire des interprétations sur les relations qu'il y avait entre les espèces. Si deux espèces sont retrouvées dans la même couche, ils ont vécu au même moment. Et donc, ça nous donne de l'information sur le milieu de vie, là, sur les conditions écologiques qu'il y avait à l'époque. Je crois qu'il y a encore beaucoup de découvertes à faire, notamment l'espèce Botryolepis, qui est une espèce archi-connue, qu'on pensait tout savoir. Bien, il a fallu que je m'intéresse à la série de croissance de cette espèce-là pour trouver des choses qui étaient controversées puis qui n'avaient jamais été toutes découvertes avant, alors que c'était là devant nous. Donc, je pense qu'il faut, tout dépendant des angles de recherche qu'on prend, une même espèce peut amener une foule de nouvelles réponses sur plein de sujets. Là. Ça dépend vraiment de quelle façon qu'on les étudie. Bien, l'avenir du parc, je pense qu'il passe vraiment par le volet, effectivement, recherche et la mise en valeur, c'est certain. C'est deux vases communicants. Là. L'éducation, c'est essentiel pour intéresser le public à ces informations très importantes. Mais à la base de tout, c'est les nouvelles informations qui nous parviennent sur les espèces. Ça peut être une espèce qui est connue depuis 120 ans, on a des milliers de fossiles, on continue à en prendre du nouveau sur ces poissons-là. Ou ça peut être des fois des espèces très rares comme El Pistostege. Et donc, chaque nouveau fossile qu'on va trouver, ça va être une mine d'informations. Donc, la recherche qui est faite sur place et avec des partenaires, c'est extrêmement important pour continuer à faire fleurir le site de Miguasha et de le mettre en valeur pour que le public, puis notamment le public gaspésien québécois, se rende compte à quel point on a un fleuron puis s'intéresse à son histoire géologique qui fait partie de notre identité aussi. On est bâti, on s'installe sur un territoire parce qu'il y a des caractéristiques en particulier. Puis, quand ils nous racontent en plus des histoires comme les fossiles, ça devient encore plus intéressant, à mon avis. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir ici? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que même sur quelques kilomètres linéaires comme on a à la falaise, il y a tellement de grandes concentrations de fossiles, puis tellement de niveaux d'analyse possibles. On peut étudier les fossiles individuellement, on peut les remettre en contexte en termes écologiques. On peut aussi aller voir au niveau des nouveaux outils qui sont disponibles, comme des outils d'analyse, la composition chimique des poissons, des os des poissons. Et tout ça, ça nous donne des nouveaux, on pourrait dire des nouvelles grilles de lecture, des nouvelles façons d'analyser des fossiles que n'avaient pas nos prédécesseurs, les paléontologues, d'il y a 20 ou 100 ans.